Au CAE, Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, une de nos missions est la sensibilisation du jeune et du grand public par rapport aux transformations du territoire et pour qu'ils comprennent mieux les enjeux urbains, paysagers et environnementaux. Le prolongement de la ligne 14 a constitué une superbe expérimentation pour nous, puisqu'on assistait à une transformation urbaine profonde avec l'arrivée des nouvelles stations. Et c'était des superbes coulisses pour justement décrypter les enjeux d'aménagement urbain actuels. Ce partenariat a été entamé en 2016, donc avec le CAE de Paris et le CAE de Seine-Saint-Denis, où nous avons animé ce dispositif de sensibilisation autour du prolongement de la ligne 14 dans 4 établissements scolaires, ce qui concerne au total environ 400 élèves. Les élèves ont témoigné beaucoup de curiosité et d'intérêt face aux ateliers qu'on a proposés. Il y avait aussi la visite de chantiers et de sites, ce qui les a passionnés, ce que ça leur permettait justement de franchir les palissades de chantier pour vraiment pénétrer dans les coulisses de la fabrication du métro. Et ça avait un côté un peu magique pour eux de découvrir à la fois les engins de chantier et puis tous les professionnels qui participaient à la construction de ce prolongement de la ligne 14.